Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sorti la veille. Ah oui, c'est vrai. Je suis bourré, j'ai mal au ventre. Oh putain, il y a des éclairs quoi. C'est en malade ce mec. Oh, il me chauffe lui. Va me chercher. Ça marche ça, mec. GTA quoi. Je vais revenir. On a combien là? J'ai même pas. On a 6 mois. Ça a coulé. Bonjour tout le monde, les gars, c'est le sec. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Cette vidéo maintenant date d'il y a quelques mois. C'était la première de ma chaîne YouTube. Elle avait été faite avec un ami à moi en fait qui me filmait en train de présenter l'Audi S3. À cette époque-là, les mecs, la voiture était stock. Donc maintenant, à la Instagen de la part de Shiftec, on va filmer sa réaction à l'accélération. J'espère qu'il sentira la différence, que j'ai pas payé 600 balles pour rien. Ben voilà, on verra bien. Vidéo très très simple, vidéo un peu spéciale. Likez, abonnez-vous. Merci les gars pour le retour de la vidéo que j'ai faite sur la rénovation de la voiture. Elle vous a plu, elle a cartonné par rapport à ma notoriété. Donc merci beaucoup les mecs, je vais chercher mon pote. Il y a même un autre pote qu'on va aller chercher après en voiture qui lui n'est pas du tout adepte des voitures de sport. Donc sa réaction sera très très drôle. Je vais envoyer un enfer les gars, je vais bombarder sa mère. Oh oui, je vais l'envoyer en enfer. Est-ce que t'es prêt, Yohan? Ça mec, bien et toi? Oh, j'ai pas envie quoi. Du coup, il a pas encore vu avec ses nouvelles jantes. Tu l'as vu en vidéo j'imagine, mais... Ouais, c'est en carbone quoi. Mec, je suis en train de faire un grand vlog de ces morts quoi. Stylant, ouais. Ouais, ça va. Ça fait chier parce que j'ai dû payer ça à une blinde, mais bon. Je me fais rembourser. C'est aussi cher. Ouais. Oh, ils sont incroyables. Ouais, bon, bien. Hein. Bah, les gens dans les commentaires, ils ont pas mal kiffé. Bon, si tu valides. Le beau lit, quoi, qu'est-ce que t'es beau, mec. Mec, attends. J'ai pas fait gaffe. Je suis habillé pareil, Loïc. Oh non. Ma ceinture est même pas mise. Bonsoir. Waouh, bouillaka. Oh putain. Bon alors du coup mec, ça, cette position assise me terrifie quoi. La dernière fois, la voiture faisait 265 chevaux. Ok. C'est bon quoi. Donc là tu vas voir, j'ai mis 600€ juste pour t'emmener en enfer déjà. Let's go. Bon bref, ouais, attends, je suis terrifié. J'ai peur. Là la voiture fait mal au vent. 70 chevaux. C'est la différence, elle est pas dingue. Mais j'espère que tu la sentiras. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sorti la veille. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je suis bourré, j'ai mal au ventre. Je suis tout secoué à l'intérieur. Et c'est reparti. Et c'est lui ça. M'envoie avec ses 640 000 chevaux. Oh putain. Mais c'est bon. Attends, bâtard. Oh, c'est bon. Là, j'étais normal, mais j'étais pas en secoué. C'est radio. Tu penses à comprendre, par contre, tu l'as senti. Ah bah j'ai mal au... ça y est, je vais vomir. Tu vas être marrant, qu'on va aller chercher Jordi juste après aussi. Bah alors lui, bah... Il sera deux pour le prix d'un mec. Il va chialer quoi. Je vois déjà là-bas que tu vas accélérer comme un connard. Non, hein. Non, t'as pas envie de faire. Oh putain. Il y a des éclairs quoi. C'est un malade ce mec. Fils de... Pardon. Alors t'en penses quoi? Est-ce que tu sens la différence? Mec, c'est fou quoi. Ouais, c'est vraiment la différence ou pas? Vraiment, t'es monté jusqu'à quoi? Bah, en vrai, oui, mais quand je sais pas, je suis à 40. C'est pas n'importe quoi. Mec, c'est fou! Bah, t'as pris combien de chemins? Je prends des rafales de vitesse. Et t'es enfoncé dans le siège. J'ai pris 50 euros, 40. Parce qu'en fait, d'origine, la voiture faisait 265 sur papier. Et je sais pas si t'as vu la vidéo, mais la voiture elle a sorti plus que l'origine. Ouais, c'est ce que alors tu veux. La voiture, ouais, elle a 300 km. C'est trop bizarre, mec. C'est incroyable. Bah en vrai, tu sens quand même vachement la différence. Hein. Ouais. Moi, j'ai une 206, donc déjà, je la sens. Je pense qu'en passager, tu la sens encore plus. Le jour où, imagine, je pèse sur YouTube, je prends ta 206. Je la transforme, mec. Vraiment, je la transforme. Tu lui mets 250 chevaux. C'est ça, je sais pas si c'est possible. En vrai, c'est bon, Loïc. Putain. C'est bon, quoi. Oh, il est prostitué, là. Oh, il est pute sale. On en prend une, là. Je fais tester mon Audi. J'en mets une prostituée en enfer. Je vais tester l'Audi la plus kilométrée de France à une teinte. Oh non. Je pense que ce qui est impressionnant, c'est le frein aussi. Ah, j'ai changé du coup. Genre. Dans la vidéo, je l'ai changé. J'ai changé. J'ai honte devant les gens, ça commence à sentir le carbone comme ça. Tu prends feu quoi. L'essence quoi. Non, c'est bon. Tu sais que j'ai mal un peu là. Ah oui. Projet de la voiture. Alors les mecs, quand j'aurai l'argent. Je pense qu'on mettra une mine stage 2, t'en as déjà parlé toi. Mmh. Un truc assez inhabituel, un truc que vous n'aurez jamais vu sur YouTube de votre vie. Mais à part ça les gars, ce qui est chiant c'est que ça coûte très cher. Et comme vous ne le savez pas sûrement, je suis aide-soignant intérimaire. J'ai un salaire pourri,
Non, en vrai ça va, mais lâcher 1 600 € dans une ligne, ça fait chier quoi. Mange des pâtes. Quand t'as un crédit IMO et tout comme toi, c'est la marque. Mange des pâtes. Là, je pense que les prochains trucs seront des modifications esthétiques parce que c'est pas cher. Tout est une question d'argent, mais tu veux changer esthétique. En fait, de base, je voulais pas partir sur une voiture en full black. Mais là, vu que j'ai mis les jantes, en fait, j'ai plus le choix. Donc, je vais mettre le calandre en noir, etc. Des choses que les gens ont déjà vu sur YouTube, tu vois. Mais je préfère le faire moi-même. Mmh, carrément. Voilà, faire plaisir, quoi. C'est le but. Hein. Quand même foutrement brutal cette voiture. Oh putain, le connard. Mais, heureusement qu'il se met devant lui. Hein. Ouais. Thomas, les meufs, elles ont rigolé, mec. T'as réagi, je suis mêlé. C'est trop gênant. Non, non, pas faire ça, bro. C'est pas ton ex. J'ai hésité. Il y a pas mal de Limojo qui nous regardent. Et je pense, petite BM, peut-être sympa de BM. Ah, je connais, c'est sur Insta. Les mecs se connaissent entre entre voitureurs. On s'en fout, on n'est pas là. Tu voulais impressionner les meufs. Oh, mec, mais c'est quoi? La violence auditive, quoi. Ceux qui l'ont reconnu, les gars, on est sur Limoges. Je sais qu'il y a même un mec dans la première vidéo qu'on a faite ensemble qui a reconnu le lycée Jean Monnet, mec. Ah oui. Est-ce que tu me crois ou pas? Oh, là, je vais faire un launch, je sais pas. Last Winter Shortly. En vrai, à Limoges, il n'y a pas trop de grands axes. Si, sur le boulevard, tu peux. Si, ouais, mais après, il explique souvent. On va pas prendre le risque. Tu peux voir. Oh, il me chauffe, lui. Viens me chercher. Ça marche, ça, merde. Oh putain, mec. Ça marche, ça, mec. Malade. Mec, j'étais à fond. Ah, il t'a grillé, là. Mec, j'étais à fond. Hein. Il a voulu faire la course, quoi. C'est bon, ça me saoule. Il a voulu faire la course avec sa guilla de mort, là. C'est ça. Là, c'est un truc électrique, gros. T'as vu la puissance électrique? Ouais, mec, c'est violent, putain. Après, il a démarré avant moi. Le rage. Ouais, enfin, il a quand même. Ouais, mais il a jeté à fond. Il s'est excusé. Ah ouais? Comme ça. Excuse-moi, toi. Il a fait pardon. J'assiste à des courses urbaines. Je me régale. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que je vais perdre la vie à chaque coin de rue, quoi. Je fais attention. Là, on va aller chercher Jordan. C'est un autre ami à nous, les gars. Je pense qu'il est pas prêt. Oh putain. Avec le soleil, je sais pas comment t'as fait pour voir quoi que ce soit. Oh putain, enfin, il me tient une balle quoi. Moi je monte plus jamais avec. Je monte plus jamais avec toi, c'est bon. Okay. J'ai vraiment envie de dégager. Ça va, Johan? T'es content de ton petit taxi? Ouais, c'est ton gros cul là. Descends et on va. T'es prêt ou pas? On va faire un petit tour en voiture, mais rapidement, ouais. Mec. Mec, tu sais que là tu finis sur YouTube à tout moment. Hein. Ouais. Ouais. Puisqu'il est simple. Avec son châle. Eh hey Jordi, du coup t'as pas laissé toi non plus la voiture en stage 1 là. La dernière fois que t'es monté avec moi mec, elle était stock, comme toi d'ailleurs finalement. Ce qui serait incroyable, comme tes gros mollets. Une petite de vidéo, on se crache en live. On meurt tous les trois. On meurt. Mon pote finit paraplégique. Et sort quand même en boîte. Tu penses que ça fera des vues? Des vues avec beaucoup de haineux je pense. On finit tétra. À la dalle en pente en fait. Bah les gars, je vais pas rouler comme un fou, vraiment. Tu sens la différence. Il y a pas tout réparé. Allez, mon Jordi. Ah oui, mec, tu veux faire un petit tennis? Raphaël Nadal. Ah, tu peux en finir. Ouais, vas-y, vas-y. Je sais pas, tu veux pas aller au... Oui, malheureusement, oui. Bon, je me chie dessus dans un carton. J'ai envie de vomir. Attends, je t'en finis en deuxième. Je vais faire la différence déjà. Ça freine bien parce que... Oui, t'inquiète pas. Non, il est pas rassuré. Oh là là, mec. Oh putain, c'est ça. Ça freine bien. Après, elle fait que 310 chevaux, c'est comme une Ferrari comme j'avais essayé la dernière fois. Ouais, t'es qui là-bas? Oh putain, tu veux me tuer. Oh, c'est un connard. J'ai un peu peur. En fait, ce qui fait peur, c'est la vitesse à laquelle on arrive vers la caisse, oui, en face. C'est quoi. Ça, c'est ça qui me terrifie. Et t'imagines, il rate la pédale de frein. J'accélère encore. Jordi le tétra. Le mec, il voulait juste fêter son BPG, puis il va fêter son. Ouah, il est peur, le mec, il est dérivé. Il y a un filtre. Putain, pardon. Ça souffle plus. Ça envoie plus d'air. Je t'en branle, je sais. Je sais même pas de quoi je parle, mais. J'ai juste peur, quoi. Non, t'es pas. Jordan. J'ai juste peur. Double là, on n'en parle plus, là. Voilà, putain. GTA, quoi. Je suis vraiment. Je vais vomir. On a combien, là? J'ai même pas. Regardez, frérot. 6 mois. Ça a coulé. J'aurais kiffé avoir une caméra sur la tronche de Jordi. Si on prend, comme ça. Attends, fais-en une dernière, je le mets sur sa gueule. Hein. Vas-y, je regarde droit dans les yeux. Oh putain. Attends, faut que je regarde. PD, va. 0 à 100 dans tous les voitures. Tu l'as démonétisé, t'as. T'es où? Salope pute, suce. Tu peux le.
Oula. Bonsoir. Il a eu peur le mec, s'est retourné. Hein. T'inquiète, je sais pas si c'est lui qui a eu peur ou non, mais. Oh les jeunes. Oh les jeunes sont. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça fait vraiment un bruit de. C'est mieux qu'avant. Hein. Grosse caisse sportive. Le gros plan, c'est presque. En plus, t'as la tête rentrée dans les épaules, du coup, ça fait un double menton, quoi. Il est pas bien, quoi. Attention qu'on est trois, parce que là, elle n'avance pas. Hein. Alors, juste pour la vidéo, il y a la copine de Loïc qui vient lui envoyer ça va, pour l'interrogation. Laquelle? Non, ma mère. Là, on va vers notre fief, quoi. Ouais, tu veux faire comme tu veux une chip, quoi. Un mec qui misse le sec. Élection de Miss c'est le bon, sec. Quoi, ça ne s'arrêtera donc jamais, quoi. J'aime pas, c'est les petites routes, frérot. Je passe au drive à 50. Je me crache chez McDo. Ouais, vas-y, là t'es dedans, là, je suis dedans. C'est bon, on sera du McDonald's. Bon, on a bien mangé, hein. C'est la bon repas gastronomique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses sur 10 du coup de la voiture? Bilan, les gars. J'aime bien. Je sais pas quoi vous dire, les gars. Ça après le McDonald's, je vais l'en faire. Likez, abonnez-vous. Moi, je rentre à pied. Hein. Et puis voilà, tu rentres à pied? Non, non, viens, Jordi.